Toons, c'est quoi cette langue? Des confinés, des glingos, confinés, couvre-feu, compagnie, quoi que ce soit. Faut que t'arrêtes avec ta langue, toi. On est mercredi 16, déjà la seconde moitié du mois de décembre, pour une année 2020 qui est passée tellement vite. Le Toons va bien, il a toujours raison, il est très content de vous voir. Vous les membres, les non-membres, tous ceux qui arrivent sur cette chaîne, donc vous avez vous-même... En partie, la primeur, les membres, l'accès vidéo pour le live, pour la vidéo Toons. Qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que tu dis? En fait, je boudine, je suis assis, j'ai du mal à positionner mes mots, je ne suis plus habitué, c'est un bon signe. Désormais, je vais marcher beaucoup plus, et c'est mieux, on va reperdre un petit peu des kilos, ça boudinera moins. Donc ce mercredi 16, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça couvre-feu, ça chuchote, ça papote, ça réflexionne, ça s'angoisse. Vous êtes devenus des machines ou quoi? Pourquoi on dit ça? Vous n'êtes pas des machines. Vous n'allez pas répéter sans arrêt les mêmes choses. Vous n'allez pas râler. Vous n'êtes pas à l'approche de la fin. C'est que le début des réjouissances. Vous êtes reparti pour un tour. Vous n'avez pas touché le pompon, c'est bien pour ça. Vous êtes reparti pour un tour. Couvre-feu numéro 2. Voilà. Confinement numéro 2. Couvre-feu numéro 2. Et au mois de janvier, au mois de janvier, au mois de janvier, le président, le responsable du conseil scientifique, et il vous l'a dit ce matin. Ça veut dire que troisième confinement au mois de janvier. Ah ben on perd pas la forme, hein. Il y en a qui l'ont, hein. Il y en a qui l'ont la forme, hein. On continue, on n'a pas fini de vous angoisser, t'as pas fini de sortir tes papiers, t'as mal rangé la bagnole, tu peux plus sortir, il est 20 h. Si tu sors, ça patrouille, va te faire pécho, va te faire pécho. La peur du gendarme, tu continues d'avoir peur. Bon, il y a quand même des policiers qui en ont marre. Ils en ont marre de faire peur, je sais pas, ils en ont marre de tartiner et de positionner des amendes, peut-être. Il y a un grand ras-le-bol dans ce pays. Il y a des personnes qui s'expriment, qui le font de façon différente, mais elles s'expriment, ces personnes. Et elles ont besoin de le faire, elles le font. Donc l'élastique va commencer bientôt à vous revenir dans la tête. Non, non, il va péter l'élastique, ça va faire mal. Ça va éclabousser tout le monde, en toute transparence, qui fait quoi. Bon, ça tousse toujours. Et bah, bisous, si ça vous plaît, numériquement, hein. En tout bien, tout honneur. Honneur. Oh non, il a tiré la langue. Allez, ciao. Oh. Hey.